Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des transitions fluides entre nos accords. Très souvent, lorsqu'on cherche à enchaîner des accords, on essaie de repérer quels sont les points communs entre les positions d'accords. Par exemple, entre un Do majeur et un La mineur, on n'a qu'un seul doigt à bouger, donc ça facilite les enchaînements puisqu'on a plusieurs notes en commun et qu'il y a très peu de déplacements de la main. Par contre, ici, dans l'exemple d'aujourd'hui, on va enchaîner entre des positions d'accords barrées et des positions d'accords ouverts, donc qui ont très peu de points communs, voire aucun. Donc il va falloir trouver des astuces pour pouvoir créer des transitions plus fluides, même si l'on ne parvient pas à changer les positions d'accords de manière instantanée. C'est en rapport avec la toute nouvelle formation intitulée « Enrichissez vos accompagnements à la guitare », dont le but est de partir d'accompagnement ou de rythmique basique, et d'en faire quelque chose de beaucoup plus musical et beaucoup plus intéressant, en modifiant les accords, les rythmes, l'intensité, en rajoutant des mélodies, etc. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en bas dans la description et je vous en reparlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les enchaînements d'accords qui sont des éléments très importants pour avoir des accompagnements ou des rythmiques qui soient fluides et musicales. Alors tout d'abord, comme d'habitude, rendez-vous sur instinctguitare.com en dessous de la vidéo pour y télécharger les tablatures que vous trouverez au format PDF ainsi qu'au format GP si vous utilisez le logiciel Guitar Pro. Donc commençons par détailler la rythmique et ensuite on verra différentes stratégies pour pouvoir faciliter les enchaînements d'accords. On va utiliser 4 positions d'accords en commençant par un Si mineur qui va être joué avec un barré de l'index au niveau de la deuxième case sur les 5 cordes les plus aiguës, puis on a le majeur sur la troisième case de la deuxième corde et l'annulaire et l'auriculaire sur la quatrième case des deux cordes centrales. On n'utilise pas la corde grave. On va ensuite passer sur un accord Sol majeur où le seul point commun, ça va être le bout de l'index qui va rester au niveau de la cinquième corde. Donc on relâche les 3 autres doigts et on relâche le barré pour laisser l'index positionné sur la deuxième case de la cinquième corde. Après quoi, on rajoute le majeur sur la troisième case de la corde grave et l'annulaire sur la troisième case de la corde aiguë. Et on a les 3 autres cordes jouées à vide. Donc ici, on peut jouer les 6 cordes. On passe ensuite sur un autre barré, cette fois un Fa dièse mineur. Donc là, on fait un barré de l'index sur la deuxième case, mais sur les 6 cordes. Et on rajoute les 2 petits doigts sur la quatrième case des cordes 5 et 4. Et enfin, on a un accord standard de La majeur pour lequel on place l'index, le majeur et l'annulaire sur la deuxième case des cordes 4, 3 et 2. Et on a la première et la cinquième corde jouées à vide. On ne joue pas la corde grave. Donc ici, à l'exception des 2 premiers accords où on a vu qu'entre le Si mineur et le Sol majeur, on pouvait éventuellement se servir du bout de l'index comme point de pivot pour pouvoir enchaîner plus facilement ces 2 accords, les autres accords n'auront aucun point commun, c'est pourquoi nos différentes stratégies pour faciliter les enchaînements vont être utiles. A la main droite, on va jouer au médiator en aller-retour avec un débit rythmique à la double croche, c'est-à-dire qu'on divise les temps en 4, donc à chaque fois le médiator va faire bas, haut, bas, haut sur chaque temps, et comme on a 4 temps par mesure et par accord, ça fera 16 coups de médiator pour chaque accord. Donc on commence par le Si mineur, et avec le médiator, on ne va toucher que les 5 cordes les plus aiguës. On joue d'abord un coup vers le bas, les notes durent un demi-temps, donc on remonte le médiator à vide, et les 6 coups suivants s'enchaînent. Les notes résonnent un demi-temps, donc on descend le médiator à vide, et là on va jouer 7 fois d'affilée. Donc concrètement, on a un coup tout seul, puis 6 coups qui se suivent, puis 7 coups. Donc ici, le rythme est assez simple, mais l'inconvénient, c'est que le rythme joue vraiment jusqu'à la fin de la mesure. On va jusqu'au dernier coup de médiator qui, lui, est joué. Si on avait des coups à vide à la fin de la mesure, ça pourrait nous laisser un petit sursis pour pouvoir anticiper les changements d'accord. Mais ici, on n'a pas le choix, on est obligé de garder l'accord jusqu'à la fin, ce qui complique l'enchaînement. On passe alors sur l'accord Sol majeur, où là, on va jouer sur les 6 cordes et exactement le même rythme, donc un coup tout seul, on remonte à vide, puis 6 coups, descend à vide, puis 7 coups. On fait exactement la même chose sur le Fa dièse mineur. Et enfin la même chose sur le La majeur, où cette fois on ne joue que sur les 5 cordes aiguës, donc on ne touche plus la corde grave. Alors enchaînons le tout avec le métronome. Thank you.
Donc ici, on s'aperçoit que c'est très difficile d'enchaîner les accords de manière fluide. Donc soit on va faire des pauses malgré nous, soit on va avoir tendance à ralentir pour avoir plus de temps lors des changements d'accords, soit au contraire, on va avoir tendance à accélérer à la fin d'un accord pour pouvoir anticiper plus facilement le passage à l'accord suivant. Et dans tous les cas, ce sera au détriment de la régularité du rythme. Donc ici, plutôt que de vouloir à tout prix enchaîner les accords au bon moment, ce qui sera très difficile, voire impossible selon le tempo, on va faire le choix de sacrifier le dernier ou les deux derniers coups de médiator. Mais si on fait ça, ça pourrait créer une coupure dans le rythme qui va être donc moins fluide et moins naturel. Donc pour éviter ce phénomène, on va utiliser plusieurs stratégies pour remplacer les deux derniers coups de médiator par quelque chose de différent des accords initiaux, ce qui va nous permettre d'enchaîner les positions d'accords plus facilement, tout en conservant un rendu relativement musical et sans avoir cette sensation de coupure. Donc la première stratégie, qui est d'ailleurs souvent utilisée par les guitaristes sans même s'en apercevoir, c'est de jouer des cordes à vide. Plutôt que de jouer par exemple le si mineur jusqu'à la fin, sur le dernier coup de médiator vers le haut, on va relâcher carrément l'accord, ce qui fait qu'on va jouer des cordes à vide. Alors, selon les cas, selon les accords que l'on utilise et selon la tonalité, ces notes-là peuvent être parfois très dissonantes, mais ça ne posera pas forcément de problème parce que ce sera dans le feu de l'action, ça va s'enchaîner très vite, et donc on n'aura pas le temps d'entendre les dissonances qu'on sera déjà passé sur l'accord suivant. Donc si on reprend notre si mineur, on va jouer notre coup de médiator vers le bas, on remonte à vide, les six coups habituels, le coup à vide vers le bas, et là normalement on avait 7 coups sur l'accord, mais là on n'en fera que 6. Ce qui fait qu'on a fini par un coup vers le bas, et le dernier coup vers le haut, on va le faire en relâchant les doigts à la main gauche, et en jouant simplement les cordes à vide. Alors, l'idéal est de ne pas toucher la corde grave, parce que le fait d'avoir des notes graves peut rendre le son brouillon ou créer une confusion avec les basses des accords, donc on va se contenter plutôt des 4 ou 5 cordes aiguës. Et là donc, si on joue ça de manière isolée, ça paraît dissonant, mais dans le feu de l'action, ça va nous laisser un certain sursis pour pouvoir relâcher les doigts et se préparer à positionner le sol majeur. Et en plus ici, ça tombe bien, comme on a le sol majeur qui utilise déjà la quatrième, la troisième et la deuxième corde à vide, ça revient à faire une légère anticipation de l'accord. Et si on joue un tempo plus rapide, ça passe presque inaperçu. On va faire la même chose pour passer du sol majeur au fa dièse mineur, donc le début de la rythmique. Et sur le dernier coup, on relâche l'accord, on joue le coup vers le haut, et pendant ce temps, on se prépare à jouer le fa dièse mineur, ce qui fait que sur le coup vers le bas suivant, on a changé d'accord. Et même chose pour le passage du fa dièse mineur au la majeur. Et sur le dernier coup, on relâche les doigts. Et pendant qu'on fait le coup vers le haut sur les cordes à vide, on se prépare à replacer le la majeur et à l'enchaîner de manière plus fluide. Et même chose à la fin du la majeur. Dernier coup est joué sur les cordes à vide pour pouvoir replacer le si mineur lorsqu'on va enchaîner la rythmique. Donc c'est une technique très simple à employer qui peut être dissonante si on analyse les accords ou si on les joue trop lentement, mais dans le feu de l'action, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et donc ça n'est pas très grave de sacrifier la couleur d'un accord sur un seul coup de médiator au profit de la fluidité de l'enchaînement. Donc justement, enchaînons tout ça avec le métronome. Thank you.
éviter de jouer les cordes à vide parce que dans certains cas, ça peut créer une dissonance que l'on trouve désagréable. On peut aussi choisir de remplacer les deux derniers coups qui étaient joués sur les accords par des notes mortes. Donc au lieu de jouer l'accord habituel, on va relâcher les doigts pour que les cordes soient étouffées. Et dans ce cas, on va faire nos deux derniers coups avec une sorte de bruit percussif. Ce qui fait que même si on a une coupure dans les accords, on a quand même un maintien du rythme et on n'a pas un silence sur les deux derniers coups. On a des bruits percussifs qui restent parfaitement dans la fluidité du rythme. Et l'avantage des notes mortes, c'est que pour les jouer, il suffit d'étouffer les cordes avec la main gauche. Or que l'on étouffe les cordes en étant face à une position de si mineur ou à une position de sol majeur, ça ne changera pas grand-chose au niveau de la sonorité, et donc on va pouvoir se servir des deux derniers coups pour faire la transition entre, par exemple, le si mineur et le sol majeur. Il faudra simplement faire attention lors du déplacement des doigts de toujours maintenir certains doigts en contact avec les cordes pour ne pas avoir des cordes à vide qui résonnent. Et donc vous pouvez vous entraîner en partant du si mineur, en jouant les cordes sans le rythme au départ. Donc là, toutes les notes sont étouffées. Et je déplace les doigts pour aller jusqu'au sol majeur, en faisant en sorte que les cordes restent étouffées. Ce qui fait que, après avoir joué le si mineur, les cordes sont étouffées pendant les deux coups, et on va ensuite pouvoir passer au sol majeur. On fait ensuite la même chose pour passer du sol majeur au fa dièse mineur. Alors là, pour le passage au fa dièse mineur, le plus simple est de tout de suite placer l'index face à la deuxième case, puisqu'on va en avoir besoin pour le barrer, et c'est la solution la plus efficace pour étouffer les cordes. Donc en partant du sol majeur, inutile de placer tous les doigts, on place simplement l'index en barré, ce qui fait que là, on peut faire nos deux coups, et enchaîner sur le fa dièse mineur. Pour le passage du fa dièse mineur au la majeur, on fait la même chose. Donc là, par contre, il va falloir faire en sorte de déplacer l'index, le majeur et l'annulaire face à leurs cases respectives pour le la majeur, tout en maintenant les cordes étouffées. Et ensuite, on arrive sur le la majeur. Pour le la majeur, on fait la même chose. Donc là aussi, on peut se servir de l'index au niveau de la deuxième case pour pouvoir se préparer à repasser sur le si mineur. Et là, on peut recommencer la rythmique au début. Techniquement, ça peut être un peu plus difficile à mettre en place que les cordes à vide, puisque lors du changement d'accord, il va falloir faire en sorte d'avoir toujours des doigts en contact avec les cordes, sans appuyer trop pour ne pas avoir de notes qui résonnent, et sans trop relâcher pour ne pas avoir de cordes à vide. Donc enchaînons tout ça avec le métronome. Enfin, la troisième idée pour fluidifier les enchaînements, ce serait de ne jouer que les basses au début des accords. Donc, par exemple, sur le si mineur, au lieu de jouer les 5 cordes les plus aiguës, on ne jouerait que la 5e corde toute seule. Et en plus, comme la note dure un demi-temps, on aurait le temps de placer les autres doigts pour pouvoir continuer la rythmique.
Pareil pour le sol, il suffirait de placer la première note, et ça nous laisserait un sursis pour jouer les autres cordes. Même chose pour le fa dièse. Et pour le la, on a la cinquième corde à vide, ce qui nous laisse le temps de placer les trois doigts pour continuer la rythmique. Le problème si on fait ça, c'est que ça crée une cassure au niveau de l'intensité du rythme, et notamment au moment du changement d'accord, où l'accord est censé être joué en entier pour qu'on entende sa sonorité. Si on ne joue que la basse, on perd un peu d'intensité. Donc ce qu'on peut faire pour éviter ça, c'est de créer une sorte de ligne de basse à la fin de chaque accord pour pouvoir annoncer la basse du nouvel accord. Donc sur les deux derniers coups de médiator, au lieu de les remplacer comme on l'a fait tout à l'heure par des notes mortes, on va les remplacer par des notes de basse qui vont évoluer vers la basse de l'accord suivant. Et donc ça paraîtra un peu plus naturel de ne plus jouer l'accord complet puisqu'on a une évolution de basse qui amène sur le nouvel accord. Et là, on a le temps de placer les autres doigts pour continuer la rythmique. Donc on commence sur le si mineur, comme d'habitude, le coup tout seul, puis les six coups. On descend à vide. Et là, on ne jouera que 5 coups, puisque les deux derniers coups sont remplacés par des notes de basse où on va jouer la 6e corde à vide, avec un coup de médiator vers le bas, puis la 2e case avec l'index, et là on va faire une liaison, ce qu'on appelle un hammer-on, donc après avoir joué la 6e corde, on tape avec l'index sur la 2e case sans rejouer avec la main droite. Et on va donc arriver ensuite sur la troisième basse qui va être la note sol sur la troisième case de la corde grave et qui nous permet d'anticiper le passage sur le sol majeur. Et après avoir joué la basse toute seule, donc on continue la rythmique. À la fin, seulement 5 coups, puisque là aussi on va avoir deux notes de basse. On aura la deuxième case de la cinquième corde, là où est déjà placé l'index, un coup de médiator vers le bas, puis la cinquième corde à vide, donc on va relâcher l'index à la main gauche, en accrochant légèrement la corde, puisqu'on ne la rejoue pas avec la main droite. Puis on passe sur le fa dièse, donc comme on a relâché l'index, ça nous laisse la possibilité de le placer sur la deuxième case de la corde grave pour jouer la première basse de l'accord, et on a un petit sursis pour placer le barré en entier et les deux autres doigts. Et à la fin du fa dièse mineur, là aussi on a une ligne de basse avec la sixième corde à vide, donc on relâche l'index, on joue la sixième corde toute seule, on refait une liaison avec l'index sur la deuxième case, et ensuite on va passer sur la cinquième corde à vide, qui est la note La, et donc la basse de notre accord de La majeur. Et là on continue la rythmique sur le La majeur. Deux dernières notes de basse vont se jouer sur la deuxième case de la cinquième corde, un coup de médiator vers le bas, puis la quatrième case avec l'annulaire, où on fait une liaison, donc on tape sur la note, sans rejouer avec la main droite. Et l'avantage, c'est qu'ici on a placé déjà l'index sur la deuxième case de la cinquième corde, donc si on relâche ensuite l'annulaire, on peut jouer cette note comme basse de notre accord de si mineur, après quoi on replace les doigts pour continuer sur le si mineur. Donc ici, le rendu est encore complètement différent de ce qu'on avait fait soit avec les cordes à vide, soit avec les notes mortes. Et l'avantage, c'est qu'on apporte un côté mélodique dans les basses qui annonce l'accord suivant et qui permet d'avoir des enchaînements assez naturels. Donc voyons ça en entier avec le métronome. Thank you.
Voilà, nous avons fait le tour de ces différentes méthodes pour pouvoir fluidifier les enchaînements d'accords. Alors, sachant que le choix de la méthode à utiliser dépendra du morceau, dépendra du tempo, des accords, des techniques que vous utilisez, si vous jouez au médiator ou au doigt. Donc ce sera à vous de voir dans chaque cas ce qui vous semble le plus approprié, à la fois au niveau de la sonorité et du confort pour pouvoir fluidifier ces enchaînements. Si vous voulez aller plus loin et découvrir de nombreuses méthodes pour pouvoir enrichir vos rythmiques et vos accompagnements, vous pouvez consulter la toute nouvelle formation intitulée « Enrichissez vos accompagnements à la guitare ». L'idée dans cette formation est de partir à chaque fois d'un accompagnement vraiment basique, avec des accords très simples, et de découvrir des astuces pour pouvoir l'enrichir à la fois au niveau des accords, au niveau des rythmes, de l'interprétation rythmique, de l'intensité, des différentes techniques utilisées, ainsi que voir comment on peut ajouter des mélodies ou des lignes de basse, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, pour pouvoir rendre notre accompagnement plus vivant. Et on verra également comment combiner plusieurs de ces stratégies pour s'adapter à des styles de musique en particulier. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinctguitare.com.